Eh bien, je vais vous entraîner aujourd'hui, chers téléspectateurs, près d'un millénaire en arrière, puisque nous allons nous pencher sur les siècles médiévaux. Pourquoi ? Eh bien, c'est à l'occasion de la publication d'un petit ouvrage extrêmement stimulant, extrêmement intelligent, porteur de nombreuses analogies avec l'analyse que l'on peut faire de notre époque. C'est un ouvrage qui est dû à Guillaume Traverse, qui est un jeune économiste, professeur dans une grande école de commerce, et un ouvrage intitulé « Économie médiévale et société féodale » avec en sous-titre « Un temps de renouveau pour l'Europe ». Alors c'est un ouvrage qui est publié dans une collection intitulée « Longue mémoire » qui est elle-même éditée par la Nouvelle Librairie. Hein, d'autres ouvrages du même format, là, la volonté c'est de réaliser un petit peu l'équivalent de ce que peut être la collection « Que sais-je » pour les presses universitaires de France. D'autres ouvrages font partie de cette collection, notamment un ouvrage de Jean-François Gauthier sur les dieux antiques et un autre volume consacré à l'économie capitaliste, celui-là, l'économie moderne, par le même Guillaume Traverse. Alors, cette économie médiévale, société féodale, qui correspond à un temps donc de renouveau pour l'Europe, elle s'inscrit dans une période marquée au 5e siècle par la disparition de l'Empire romain en 476, suivent des siècles que l'on a tendance à considérer comme les siècles obscurs du Moyen Âge jusqu'au tour de l'an 1000, avant le magnifique réveil qui s'opère du 11e au 13e siècle, le moment où la civilisation médiévale va atteindre à son apogée. Alors cette société féodale et l'économie qui va avec elle, elle est fondée essentiellement sur la terre et sur la production agricole. Nous sommes loin système qui s'était mis en place durant l'Antiquité quand l'Empire romain unifiait tout l'ensemble méditerranéen. Elle est fondée sur le plan social, sur la mise en place des liens vassaliques qui vont construire de fait la pyramide féodale qui va constituer le cadre politique de toute cette période. Et cette période, elle est tout à fait originale si l'on s'en tient à nos critères d'aujourd'hui, et l'auteur Guillaume Traverse établit des analogies tout à fait passionnantes et intéressantes en montrant à quel point cette société médiévale et l'économie qui va avec elle constituent un contre-modèle par rapport à la nôtre. Hein. C'est une société qui ignore de fait la loi du marché, c'est une société qui ne met pas en avant l'individualisme comme la nôtre depuis les deux derniers siècles en tout cas, et qui ne raisonne pas non plus en termes d'utilitarisme. Individualisme, utilitarisme, ce sont les deux mamelles en quelque sorte de nos sociétés actuelles. Et bien là, à cette époque-là, nous avons affaire à toute autre chose. L'individu n'a pas la place qu'il a aujourd'hui, et le libre-échange est une notion évidemment tout à fait inconnue. De manière plus générale, on pourrait résumer, en reprenant les distinctions établies par le sociologue Louis Dumont, la société médiévale, c'est une société holiste qui donne la priorité à la communauté, face aux sociétés individualistes qui sont nées progressivement de la modernité. Alors, cette économie médiévale, elle est encastrée en quelque sorte dans un ordre social organique, hein, où les intérêts supérieurs de la communauté passent bien sûr avant ceux des individus qui n'existent pas en tant que tels, qui n'existent qu'en fonction de leur place dans une continuité et dans une communauté. Alors cette histoire économique que nous propose Guillaume Travers, ce n'est pas une histoire chronologique classique qui mettrait en scène progressivement les innovations techniques qui interviennent durant le Moyen Âge, les techniques d'attelage, le moulin à eau, etc., qui tiennent compte aussi des crises successives, notamment crise agricole, frumentaire. C'est plutôt une approche thématique qui permet de saisir l'esprit de cette société et de l'économie qu'elle a produite. Comment se met-elle en place, cette société ? Je l'ai dit, 476, c'est
savez, la chute, l'abdication, l'élimination de Romulus Augustus, le dernier empereur romain d'Occident, par Odoacre, le chef des Germains Hérule, c'est la date que l'on retient pour la fin de l'Empire d'Occident. Derrière cet épisode, derrière cet événement au fil des siècles qui suivent, eh bien, on constate l'effondrement des structures antiques, hein, le retour général à la Terre, la rupture de l'unité méditerranéenne qui avait été réalisée autour de la Mare Nostrum romaine, et un recentrage continental qui fait que le nouvel espace européen, il va avoir son centre de gravité plutôt en direction des terres austrasiennes, et c'est un symbole que Charlemagne installe sa capitale à Aix-la-Chapelle. Également durant cette période, on constate le déclin d'abord rapide et puis ensuite la disparition des villes, de tout le réseau urbain qu'avait établi l'Antiquité. Hein, pour illustrer cela, il faut savoir que Rome, à son apogée dans l'Antiquité, comptait 1 million d'habitants à peu près, et n'en aura plus que 50 000 à la fin du VIe siècle, et à l'époque carolingienne, des villes importantes comme Metz ou Verdun n'ont que quelques milliers d'habitants à un moment où la Cordoue des califes en compte plusieurs centaines de milliers. Il faut noter aussi la raréfaction du métal précieux et donc la limitation considérable de la circulation monétaire. Hein. L'or va disparaître d'Occident pour un temps, il y aura encore des mines d'argent durant le Haut Moyen-Âge, mais il faudra attendre les lendemains de l'an 1000, les lendemains des croisades, pour que l'or pénètre de nouveau en Occident. Nous aurons affaire là à cette époque de famine monétaire dont parlait l'historien Marc Bloch. Dans cette économie complètement bouleversée, on voit s'établir le système féodal. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un besoin de sécurité. Dans cette société fondée sur la terre, fondée sur l'agriculture, hein, et avec les durées que cela implique, la sécurité est absolument essentielle. Or, cette sécurité n'est pas garantie. Il y a eu les vagues d'invasion du 5e siècle, les vagues d'invasion germaniques, des Francs, des Alamans, des Goths. Mais à la fin du premier millénaire, on va voir se produire, selon l'expression de Lucien Musset, un second assaut contre l'Europe chrétienne. C'est le fait des Scandinaves, des Vikings, c'est le fait des Sarrasins sur les côtes méditerranéennes, c'est le fait aussi de l'éruption des Magyars venus de l'Est, qui vont pénétrer jusqu'au cœur de l'ancienne Gaule, jusqu'au cœur de la France. Tout ce contexte impose qu'une protection s'organise pour l'activité économique, et on va assister alors à l'émergence d'un système où une caste guerrière va se charger de la protection des populations paysannes en échange d'une rente que celles-ci seront amenées à lui versé dans le cadre justement de ce contrat fondé sur le besoin de sécurité. C'est ainsi que s'installe la société féodale qui a été magnifiquement décrite jadis par Marc Bloch. Alors l'exploitation de la terre, comment s'établit-elle ? La terre est partagée entre la réserve seigneuriale, exploitée directement par le seigneur, à qui les paysans doivent un certain nombre de services justement pour cette exploitation, et puis les tenures qui sont confiées aux vilains, les gens qui étaient organisés autour de la villa romaine traditionnelle, hein, et qui disposent ainsi d'une certaine forme de propriété. Tout ce système fonctionne de manière quasiment autarcique, partout des péages, des tenlieux limitent la circulation des marchandises, limite les échanges, limite le commerce, et le noyau
principale de l'activité économique, généralement à proximité d'un château assurant la protection de cette activité, c'est le village, fondé sur une organisation collective des travaux agricoles, notamment les grands défrichements qui vont avoir lieu du XIe au XIIIe siècle. C'est ainsi qu'est stabilisée cette société médiévale, où les mouvements, où la circulation reste limitée, même s'il n'en existe pas moins, par exemple à travers le phénomène des pèlerinages qui prend une très grande importance à la veille de l'an 1000. De plus, ce système en quelque sorte fragmenté et éclaté, il bénéficie d'un principe d'unité à travers le rôle que joue l'Église à l'époque, qui fournit en quelque sorte l'unité spirituelle nécessaire à tout cet ensemble. C'est-à-dire que nous avons à la fois une fragmentation et une unité qui coexistent, une inscription locale et en même temps une appartenance à une ère continentale symboliquement unifiée autour de la foi chrétienne. Alors, cette structure de l'économie sont donc fortement territorialisées, c'est tout à fait caractéristique de l'époque, mais encore une fois, avec au bout du compte une certaine autarcie pour les diverses unités qui se constituent alors, autarcie évidemment favorisée par la famine monétaire que j'évoquais tout à l'heure. Famine monétaire qui est due en partie à l'assèchement du commerce méditerranéen qui a été brisé par l'irruption de l'islam. Hein, Henri Pirenne avait brillamment montré tout cela en son temps avec son Mahomet et Charlemagne. Hein, on n'aura que des monnaies d'argent pendant longtemps et notamment durant toute la période carolingienne. Il faudra attendre encore une fois les 12e, 13e siècles à l'issue des croisades, des contacts renouvelés avec Byzance pour que l'or réapparaisse à travers des monnaies telles que le florin ou le ducat vénitien. À cette époque, de toute manière, pas de salariat, hein, faute d'espèces, mais des échanges de services, donc un rapport social à l'économie tout à fait différent de ce qu'il sera plus tard, et tout cela correspondant à un certain esprit de l'économie médiévale, un monde médiéval réticent à l'idée de profit, un monde médiéval réticent à la valorisation de la richesse en elle-même. Alors cela pour deux raisons, hein, deux héritages que l'on peut mettre en avant à ce sujet. D'abord le vieil héritage indo-européen que l'on voit ressurgir dans le système médiéval, hein, Georges Duby l'a bien montré, hein, on fait référence à Adalberon de Laon et puis à sa tripartition de la société entre oratores, ceux qui prient, bellatores, ceux qui combattent, laboratores, ceux qui travaillent. Ce système-là imprègne encore les représentations de l'époque, hein, en une époque où les modèles mis en avant, ce sont ceux du saint et du chevalier, et non pas celui du riche, présenté généralement de manière négative dans l'iconographie de l'époque. Deuxième élément important qui irrigue en quelque sorte les représentations de la société médiévale en matière économique, c'est le rôle de l'Église. Hein. Le Moyen-Âge chrétien ignore le profit, la notion d'argent, au sens où va l'entendre le monde moderne également, est largement absente. Jacques Le Goff, le grand médiéviste, aujourd'hui disparu, l'avait montré. Il faut tenir compte aussi de l'idéal monastique. Hein. Le monachisme médiéval, c'est un phénomène social et culturel considérable. Le cas cistercien constituant l'élément extrême de cette vision des choses, hein, un monachisme qui valorise le travail manuel et l'artisanat et qui ne s'inscrit pas dans une économie qui serait dominée par la spéculation financière née d'activités commerciales plus ou moins lointaines. C'est également au Moyen-Âge que l'on voit surgir les ordres mendiants, hein, dont
toute l'organisation est fondée sur l'exaltation de la pauvreté. Tout cela commande aussi, en quelque sorte, la vision que l'on peut avoir de l'économie. De manière générale, ce monde chrétien médiéval, il est fondé sur la caritas, la charité, c'est-à-dire sur des relations interpersonnelles qui ne sont pas motivées par l'intérêt individuel, ce qui est quelque chose de tout à fait différent de ce qui viendra ensuite. Hein. Les profits qui peuvent être réalisés à l'époque, quand l'économie s'envole à partir du XIe siècle, des grands défrichements, de l'accroissement démographique, eh bien cette richesse-là, elle va être investie de manière gratuite, entre guillemets, pourrait-on dire, dans les chantiers des cathédrales qui correspondent à l'exaltation d'un modèle religieux, d'un modèle spirituel supérieur au modèle marchand. Il est significatif aussi qu'au Moyen-Âge, des lois somptuaires aient été décrété par les souverains contre la richesse par trop affichée ou spectaculaire. Et on voit bien comment un modèle comme celui du marchand tel que l'incarne un Jacques Coeur au XVe siècle va être en quelque sorte rejeté par les valeurs et les représentations de ce monde médiéval. Alors y a-t-il un capitalisme médiéval comme pensait pouvoir l'affirmer Henri Pirenne en son temps, puis plus près de nous, Jacques Herz, qui est le grand historien de l'économie des 14e, 15e siècles, hein, un capitalisme médiéval, entre guillemets, qui aurait précédé la modernité qui s'impose à partir des 16e, 17e, 18e siècles. Alors bien sûr, il y a des bourgeoisies urbaines qui se forment au Moyen-Âge, dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Il y a un essor du grand commerce, on pense aux foires de Champagne, aux liens entre les pays Pays-Bas et puis l'Italie de la Toscane ou du Milanais. Il y a l'apparition des premières banques, notamment en Italie. Mais il n'y a pas au Moyen-Âge d'esprit du capitalisme. D'ailleurs, Marx ne s'y est pas trompé en parlant de système féodal et en réservant le terme de système capitaliste aux périodes ultérieures. Cela dit, il introduit lui-même une notion de lutte des classes qui est tout à fait absente de la période en question, même s'il a pu y avoir localement, ponctuellement, des affrontements sociaux. On se souvient les révoltes des Ongles Bleus à Gand, des Ciompi à Florence, mais dans les têtes, dans les représentations collectives, ce n'est pas cette notion-là qui s'impose. Et l'esprit du capitalisme, de toute manière, Werner Sombart et Max Weber l'ont montré, il va s'imposer seulement à partir du XVIe siècle, l'éthique protestante jouant le rôle que l'on sait dans ce domaine. Donc la représentation médiévale, elle n'est pas à coup sûr capitaliste. Et ce Moyen-Âge, même, il s'est prolongé au-delà des limites qu'on lui fixe d'habitude. Hein. On fait cesser le Moyen-Âge en 1453, la chute de Constantinople, parfois en 1492, la découverte de l'Amérique. Mais Jacques Le Goff avait montré dans son ouvrage Pour un autre Moyen-Âge que dans de très nombreux domaines, l'esprit du Moyen-Âge, les représentations collectives dont il était porteur se sont prolongées jusque pratiquement à notre époque contemporaine, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et l'économie médiévale, en tout cas, n'a rien à voir et constitue même un contre-modèle par rapport au capitalisme libéral qui va s'imposer au XIXe siècle. Hein. C'est la terre qui est la richesse principale, elle compte infiniment plus que la richesse mobilière. Ce sont les liens personnels qui sont dominants par rapport à la loi du marché. Ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui commande la formation des prix, mais c'est la notion chrétienne de juste prix par rapport à des besoins qui sont des besoins communautaires.
communautaire. Hein. Et ce qui va se produire à partir du 18e, 19e siècle, comme l'a montré Karl Polanyi, c'est le désencastrement de l'économie par rapport à l'ordre social et politique. C'est l'autonomisation progressive de l'économie qui va être une des caractéristiques de la modernité et de notre époque contemporaine. Hein. Un désencastrement de l'économie par rapport à l'ordre social, qui est d'ailleurs contemporain du désenchantement du monde en termes symboliques et intellectuels, tel que l'a décrit Marcel Gauchet. De la même manière, Ferdinand Tönnies en Allemagne fera la différence entre la communauté, la Gemeinschaft, et la société, au sens commercial du terme, la Gesellschaft. Hein. Tout cela nous donne de nouvelles images et une nouvelle lecture du Moyen-Âge, un petit peu comparable à la relecture qui avait été opérée à l'époque romantique par rapport à la modernité libérale qui tentait à s'imposer à l'époque. En tout cas, ce qui est particulièrement intéressant dans ce petit livre de Guillaume Traverse, c'est l'actualité également du débat, car il nous montre que pour répondre aux défis d'aujourd'hui qui correspondent au chaos et à la fin d'un monde que nous sommes en train de vivre, eh bien, se tourner vers certains des principes, vers certains des comportements et certaines des représentations qui ont été celles de l'époque médiévale, eh bien, tout cela peut faire écho à nos aspirations au localisme et à nos aspirations à limiter les nuisances du libre-échange. Pour toutes ces raisons, ce petit livre « Économie médiévale et société féodale » de Guillaume Traverse, publié donc à la Nouvelle Librairie dans la collection Longue Mémoire, est un bréviaire tout à fait intéressant pour penser certes l'histoire, le passé, mais également pour jeter un regard neuf sur la situation d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, chers téléspectateurs, Pierre Le Vigan, qui nous propose un ouvrage intitulé « Métamorphose de la ville de Romulus à Le Corbusier ». Autant dire que le champ abordé est extrêmement vaste. Et je vous signale les sous-titres « Stop aux mégavilles, non à l'obésité urbaine, le très grand Paris est un trop grand Paris, un mot d'ordre, décongestionner les villes et retrouver la mesure ». Voilà qui a valeur d'un manifeste. Mais c'est toute la réflexion historique que contient ce livre qui nous intéresse aujourd'hui. La ville, c'est un phénomène social, un phénomène historique évidemment de toute première importance, qui a considérablement évolué au fil des siècles, voire des millénaires. Et c'est intéressant d'avoir le regard d'un professionnel de l'urbanisme d'aujourd'hui sur cette évolution. En effet, Pierre Le Vigan, qui est par ailleurs essayiste, qui a publié notamment un inventaire de la modernité, préfacé par Alain de Meudoin, et également plus récemment Le Grand Empêchement, comment le libéralisme entrave les peuples, eh bien Pierre Le Vigan a beaucoup de choses à nous dire sur cette évolution de cette forme historique que constitue la ville. Alors tout d'abord, Pierre Le Vigan, pourquoi cet ouvrage portant sur un espace aussi important et sur une durée historique aussi impressionnante ? Alors j'ai voulu en fait aborder la ville comme un fait social total. C'est pour cela que effectivement je me suis attaché à une généalogie de façon à montrer l'évolution des types de villes et notamment l'accélération des substitutions d'un modèle à un autre en fait, puisque la ville pendant presque des millénaires a obéi à un schéma qui restait relativement identique, hein, en quelque sorte, permettre le commerce, permettre de symboliser les lieux du pouvoir, de les regrouper. Et puis, il y a vraiment eu, bien entendu, comme dans tous les domaines, en fait, une extraordinaire accélération à partir du début du 19e siècle, avec tout d'abord l'ère industrielle et la ville comme lieu de production, hein,
les lieux de production étant généralement relégués quand même aux périphéries des centres historiques. Mmh. Et puis, en quelque sorte, depuis les années 70-80, une sorte de ville post-industrielle, plus axée sur la consommation, mais aussi sur la muséification, mais ça, nous y reviendrons. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai souhaité mettre en perspective le tableau de la ville contemporaine que nous connaissons tous pour y vivre, tout simplement, avec, par une sorte d'effet de rétroviseur, en quelque sorte, la généalogie du phénomène urbain. Ah voilà, c'est un travail évidemment tout à fait considérable, hein, qui nous amène à voyager à travers les siècles, voire les millénaires. Alors, le phénomène urbain, de quand datez-vous son apparition? Parce qu'on nous a parlé de première ville néolithique avec Çatalhöyük, là-bas en Asie mineure, il s'agit en fait d'un gros village. En revanche, quand nous avons affaire à des agglomérations comme celle de l'Égypte ancienne ou de la Mésopotamie ancienne, on peut penser que là, le phénomène urbain est déjà en place. Quel est votre point de vue sur cette origine, cette date de naissance en quelque sorte de la ville? On peut dire qu'à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé, il y a tout de suite eu ce qu'on peut appeler rétrospectivement des villes, mais comme vous le dites, c'était essentiellement des gros bourgs. Mmh. Alors effectivement, on cite les villes de Çatalhöyük Turquie, dans l'actuelle Turquie. Mmh. Il y a les villes comme Petra, dans l'actuelle Jordanie. Mmh. Enfin, tout ça nous amène au Proche-Orient, hein, la Mésopotamie, etc. Et puis l'Égypte, effectivement. Mmh. Et puis ensuite, évidemment, les villes grecques. Très adapté en fait aux configurations géographiques, hein, épousant la forme du relief, utilisant les collines aussi comme élément possible de défense, hein, et donc on peut dire que depuis que l'homme est devenu en partie sédentaire et donc en même temps politique, d'une façon moins sommaire qu'à l'époque où il y avait simplement des razzias, depuis que l'homme a commencé à se donner une structure politique, la cité est devenue synonyme du lieu du politique. La police, c'est à la fois la cité au sens physique, mais c'est aussi la communauté des citoyens. C'est ça, et c'est aussi un espace construit bien particulier qui correspond donc à la communauté politique. C'est le cas de l'avènement de la cité dans la Grèce, antique. Au centre d'un terroir bien délimité, la géographie d'ailleurs de la Grèce ancienne, aujourd'hui d'ailleurs, avec son compartimentage caractéristique, facilitait cette évolution. Mais alors, ces cités grecques, ensuite, on va assister à un phénomène tout à fait étonnant, c'est que de la cité localement enracinée, c'est Sparte dans le Péloponnèse, Athènes dans l'Attique, on va passer quelques siècles plus tard à l'Alexandrie hellénistique, où là, on a déjà ce que plus tard, à l'échelle de la Méditerranée, tout du moins, et de l'Orient, Fernand Braudel appellera les villes mondiales, avec l'Alexandrie hellénistique, qui dispose d'abord d'une population beaucoup plus considérable, et on aura quelques siècles plus tard, avec Rome, là aussi, un phénomène du même genre. La petite cité, le petit regroupement de bourgades du Latium originel qui va devenir, à l'apogée de l'époque impériale, un centre, je pense à peu près dans ces eaux-là, d'un million d'habitants. Alors, c'est comment, au cours de cette période antique, cette évolution, cette maturation, va-t-elle pouvoir s'opérer sur à partir de quoi? Et ça s'inscrit dans quel contexte général? Oui, alors en fait, en Grèce, on a des cités-États qui sont à la fois des unités territoriales, des unités urbaines et des unités politiques. Mmh. La grande différence avec effectivement Alexandrie et Rome, c'est que ensuite on a des cités qui se volent les capitales d'un empire. Alors Alexandrie,
c'est quand même c'est la tentation d'Antoine, pourrait-on dire, par opposition à celle d'Octave, devenu Octave Auguste. Mmh. Hein, donc c'est la grande opposition dont parle Benoît Méchain entre l'idée d'un empire qui resterait occidental et l'idée d'un empire qui irait jusqu'à l'Orient et qui, au fond, deviendrait un empire universel. Et donc Alexandrie est en quelque sorte un peu l'image de cette tentation de la démesure, de cette tentation de l'illimité. Tandis que, évidemment, Rome est à la fois un grand empire, mais un empire limité, puisqu'au fond, toutes les tentatives de développement au-delà du Danube ont échoué, toutes les tentatives de développement au-delà de la Dacie, au-delà de l'Arménie ont échoué, et finalement, c'est à la fois un très grand empire, c'est vrai qu'il de Gibraltar à l'actuelle Roumanie. Centré sur la Mare Nostrum. Voilà, mais qui n'est malgré tout pas démesuré, qui garde un certain sens, si je puis dire, de la mesure, tout en étant malgré tout trop grand pour durer indéfiniment, ce que l'histoire nous a montré. Mais qui inscrit tout de même la Pax Romana sur plusieurs siècles. Absolument. Qui est quand même une réussite historique tout à fait impressionnante. Absolument. Et alors, ces grandes cités de l'Antiquité, il y en a d'autres, dans d'autres espaces, je pense aux cités de l'Indus, par exemple, du 3e millénaire, aux cités chinoises à l'époque des Han, mais ces grandes cités antiques qui nous sont familières, elles vont être emportées avec la chute de l'Empire romain, et on assiste alors, ça c'est un phénomène tout à fait intéressant, à une régression considérable des villes pendant plusieurs siècles. Elles perdent leur population, elles perdent de leur superficie, elles perdent surtout les fonctions qui étaient les leurs à l'époque où la dimension de l'Empire, la sécurité qui y régnait permettait de développer des échanges en tout genre. Et cela, ça va durer pendant plusieurs siècles, disons ce qu'on a comme l'habitude d'appeler les siècles obscurs du Moyen-Âge, et puis on va avoir une renaissance urbaine, en gros à partir de l'an 1000, à partir des 11e, 12e siècles, qui est tout à fait originale et qui manifeste la renaissance en Europe du phénomène urbain, mais une ville qui présente des caractéristiques bien particulières. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, vous faites un paragraphe sur un chapitre sur la ville médiévale. Qu'y a-t-il de nouveau dans le phénomène là ? Alors effectivement, il y a une longue éclipse qui correspond finalement à l'éclatement de l'Europe, bouleversée par des invasions venues de l'Est. Et qui se reconstruit très lentement, alors au début au travers des formes féodales et progressivement au travers de formes étatiques, même si parler d'État au Xe siècle n'avait évidemment pas tout à fait le même sens qu'à l'époque moderne. Et alors effectivement, la renaissance des villes, notamment à partir du XIIe siècle, est quand même très liée au rôle des monastères, puisque les monastères sont à la fois un foyer de vie spirituelle et un foyer économique. Finalement, les monastères, c'est un peu la ville de l'évêque à l'intérieur de la ville elle-même. Donc c'est une ville dans la ville. Et donc, effectivement, là, c'est un foyer de rayonnement spirituel, de rayonnement artisanal, etc. Donc, la ville a toujours un lien avec le sacré. Hein. Sous l'Empire romain, on se rappelle le cardo nord-sud et le documanus est-ouest, les limites qu'on appelle le pomerium, les militaires ne peuvent pas traverser sans enfreindre une sorte de loi sacrée, de l'ordre des lois les plus importantes, toute une symbolique très forte. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, en fait, la ville est autour de la cathédrale, de la place du marché et de l'hôtel de ville, qui généralement sont dans un mouchoir de poche. Et puis c'est une ville qui garde un contact étroit avec son environnement rural, dont elle dépend évidemment étroitement pour pouvoir fonctionner, pour sa vie quotidienne. Oui, alors la ville est... par obligation, aller localiser, puisque on n'a pas les moyens de transporter les denrées sur des distances importantes, sans qu'elles se détériorent. Alors, ceci pour les denrées alimentaires. Évidemment, il y a déjà un commerce
si ce n'est international, du moins européen, par exemple pour les étoffes, pour les matières précieuses, pour les bijoux, etc. Mais pour l'alimentaire, l'économie est naturellement, si je puis dire, localisée. Et puis il y a une fonction commerciale, et puis il y a aussi, dans certains cas, progressivement, une fonction artisanale industrielle, on va dire, si on pense aux productions textiles de Florence ou de Gand en Flandre. Absolument, avec l'axe Flandre-Italie, Flandre-Italie du Nord, qui est très important. C'est ça. Alors c'est quand même assez spécifique à l'Europe, puisque dans les pays arabes, les caravansérails ne sont que des points d'échange commerciaux, ce ne sont pas vraiment des villes. Donc l'histoire des villes est quand même liée à la nature des activités économiques, à la civilisation européenne. Et donc effectivement, plus l'agriculture développe un surplus en quelque sorte, plus on crée les possibilités de ville. Si l'agriculture ne permet qu'aux paysans de subsister, eh bien, en quelque sorte, il n'y a pas possibilité d'agglomération autre que des minuscules bourgs de 2000 habitants. Des villages. Ouais. Des villages, quoi. Mais alors, dans l'espace musulman, quand même, il y a des grandes capitales. Je pense à Bagdad, à Cordoue, au Caire, ensuite. D'une certaine manière, même le monde musulman, de par la rupture qui s'est avec dans le rapport à la terre, quelque part c'est une civilisation en grande partie urbaine. Oui, un historien avait dit l'islam c'est vraiment une religion des villes. Ouais, voilà. Et c'est incontestable, oui, tout à fait. C'est d'abord une religion du désert et ensuite ça va devenir une religion des villes au fur et à mesure que s'étend la conquête. Absolument, il y a une logique des territoires, hein, si vous voulez. Vous êtes forcément sur des espaces relativement désertiques, donc qui sont peu propices finalement à la production agricole, si vous voulez survivre, vous êtes obligé d'avoir une civilisation relativement agressive. C'est inévitable parce qu'autrement vous mourrez, quoi, en quelque sorte. Et puis commerçante aussi pour satisfaire un certain nombre de besoins. Absolument. On sait que les Arabes ont été des très grands commerçants. Ouais. Alors, que ce soit le commerce classique ou aussi le commerce d'esclaves, bien entendu. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un peu la logique d'un territoire qui produit peu par lui-même et qui oblige à une stratégie d'arraisonnement. C'est ça. Et alors, au-delà de la période médiévale, ce que l'on voit surgir au tournant de la modernité, à partir du XVe siècle en gros, c'est progressivement l'établissement de la ville-monde telle que la définira Fernand Braudel, à travers les cas de Lisbonne, de Séville, d'Amsterdam, de Venise, auparavant. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui s'inscrit dans un contexte de mondialisation avant l'heure, si l'on peut dire, hein, concernant certaines les relations avec certaines régions et concernant certaines marchandises. Mais ça crée quelque chose de nouveau dans l'histoire du phénomène urbain. Oui, alors il y a en fait deux types de formes de ville, enfin deux types de trames plus précisément. Hein. Bon, il y a la trame en damier. Qui est très flexible pour les extensions, d'où l'intérêt qu'effectivement, quand on dégage plus de surplus, et quand du coup on peut avoir des agglomérations de plus en plus importantes, parce que la campagne peut à la fois nourrir les paysans et exporter le surplus, vendre le surplus dans les villes, la trame en damier, définie par Hippodamos de Milet, et dont Aristote disait que c'était quand même a priori la forme souhaitable, la trame en damier se développe. Alors ça c'est la trame, la forme de la ville, elle peut être ronde, rectangulaire, souvent rectangulaire, du reste, etc. Et puis, à la Renaissance, il y a l'ambition d'une ville radioconcentrique. En fait, c'est une ambition de ville idéale, en quelque sorte, de forme parfaite qui renvoie au cercle et ultimement qui renvoie en fait avec au soleil. Toute une production artistique, notamment en Italie, de villes imaginaires telles qu'on peut les concevoir à l'époque. Voilà. Et donc là, on a à la fois les axes
axes qui convergent vers une place centrale, un peu comme autour de la place de l'Étoile à Paris, et une forme même, c'est-à-dire les limites de la ville, qui est généralement circulaire. Alors par contre, l'inconvénient de ce système, c'est qu'il vise une sorte de perfection formelle, mais il n'a aucune souplesse, puisque les extensions sont extrêmement délicates, alors que le système du damier, c'est un peu comme des dominos, on peut toujours ajouter un domino. Ouais. Du coup, il y a un peu une contradiction finalement entre ces formes idéalisées de la Renaissance qui supposeraient un monde statique, en quelque sorte, un monde qui soit une sorte de jeu à somme nulle, et la réalité du développement économique… – De l'économie dynamique. – Absolument, d'une société de plus en plus bourgeoise, et la bourgeoisie et la classe… commerçante et la classe industrieuse urbaine, urbaine par définition. Donc la ville, c'est pour ça que finalement les villes sur le modèle radio-concentrique, il y en a très peu. Il y a, par exemple, vous avez Neuf-Brisach en Alsace, mais qui restait une toute petite ville dont le plan a été fait par Vauban. Effectivement, alors il y a quelque chose de parfait, mais il y a quelque chose d'inapte. Au développement. Or, la vérité, c'est qu'une ville, ça gonfle, et parfois ça rétrécit. On dira peut-être deux mots de la décroissance de certaines villes de manière contemporaine, aussi bien au Japon qu'en Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Est, où des villes comme Leipzig voient leur population diminuer. Mais effectivement, le modèle radio-concentrique n'est pas favorable à l'évolution. C'est une sorte d'utopie et donc d'idéalisation. Et comme disait Georges Perec, les utopies, notamment les utopies urbaines, ne laissent pas la place au divers, à l'accident. Voilà, pour absorber le réel. Absorber le réel, voilà, c'est ça. En mutation permanente. Le réel est en mutation. Et si la ville n'a pas une capacité de. Une certaine souplesse pour absorber ce réel, elle se pétrifie en quelque sorte. Et alors, va venir ensuite la ville industrielle du 19e siècle, dont on va trouver le modèle dans l'Angleterre des Midlands ou dans les régions charbonnières de France ou d'Allemagne. Ça, c'est encore quelque chose de nouveau et qui se constitue d'ailleurs dans une certaine précipitation du fait des besoins de l'économie de l'époque. Oui, alors par exemple Paris a... Les plus grandes villes d'Europe à l'époque de la Révolution française, bon, vous avez Londres, vous avez Paris, à peu près 500-600 000 habitants. 600 000 habitants, Paris, C'est un peu décliné, d'ailleurs, pendant la Révolution française, Paris a été un endroit… – Sérieusement éprouvé par les aléas de la situation. – Sérieusement éprouvé, une bonne partie des exécutions de la terreur sont quand même en région parisienne. – Puis les gens sont partis aussi. – Les gens sont partis. – Ils se réfugient à la campagne. – Si j'ose dire, se confiner au vert, dans des endroits où la tension politique et les exécutions étaient un peu moins vives, si je puis dire. Donc, et Naples était une des plus grandes villes aussi. Et la croissance de Paris, par exemple, on passe de 600 000 à 1 million d'habitants sous Louis-Philippe, sous 3 millions en 1900. Oui, c'est absolument considérable. Et cette croissance de Paris, c'est à la fois une croissance de la population dans Paris intramuros, sachant que le intramuros se change en 1860. C'est élastique, on passe de 12 à 20 arrondissements. Absolument, donc c'est considérable, et on annexe une bonne partie des villages périphériques. Des villages périphériques, il y a une partie d'Ivry qui est annexée à Paris, etc., pour toutes les communes autour. Et surtout, vous avez ce phénomène de la banlieue, c'est-à-dire que Aubervilliers, qui était un village en 1800, devient une banlieue. Alors, qu'est-ce qu'une banlieue? C'est en fait un endroit où on met tout ce qui pollue, les activités extrêmement désagréables pour la santé, comme la blanchisserie. Boulogne-Billancourt aussi était une des capitales de la blanchisserie, des odeurs souvent rudes. Et effectivement, vous avez toute cette création d'une couronne peuplée par une population généralement pauvre autour de Paris. Mais néanmoins, du reste, ne pas oublier quand même que même s'il y a une population pauvre dans ces banlieues, il y a toujours, à l'époque, encore une bourgeoisie. Le patron d'usine, de 100, 200 salariés, souvent habite, s'il a son usine à Saint-Denis, souvent il n'habite pas loin, et il a sa maison de maître à Saint-Denis. Donc, n'oublions pas qu'il y avait quand même une
Voilà. Certaine diversité sociale. Il n'y a pas encore la ségrégation. Absolument, finalement, maintenant, vous n'aurez jamais un riche bourgeois qui habite dans certaines communes de banlieue qu'on connaît, hein, qui sont pas cotées. Alors qu'à l'époque, vous aviez toujours, dans une commune même très industrielle, deux ou trois rues franchement bourgeoises, franchement résidentielles, dans lesquelles vous aviez la bonne bourgeoisie, le notaire, le médecin, etc. Donc, et plus de mixité que parfois on l'imagine rétrospectivement. Oui, oui. Et alors cette ville industrielle va voir fleurir à sa périphérie des banlieues. Alors grand changement évidemment qui intervient à notre époque, c'est-à-dire que les populations ouvrières, les populations modestes qui occupaient ces banlieues, parce qu'elles travaillaient dans les entreprises locales ou venaient travailler à Paris, progressivement elles sont remplacées à partir des années 1960-70 par des populations immigrées, ce qui va aboutir à la formation de ghettos urbains, un petit peu comparables à ceux dont on a pu constater l'émergence en Amérique du Nord. Oui, alors tout à fait. Bon, alors, il y a ce phénomène à partir des années 50 des grands ensembles. Grands ensembles qui au départ sont peuplés essentiellement de Français, dans les années 50 c'est incontestable, ça évolue un peu à partir des années 60, encore plus à partir de groupements familiales, mais effectivement, alors ça apporte évidemment, comme on disait, l'air pur par rapport à certains quartiers extrêmement délabrés de Paris. Hein, c'est incontestable. Mais en même temps, bon, il y a un mode de vie qui génère finalement l'usage massif de la voiture, qui tend à pousser à aller faire ses courses dans les grandes surfaces qui apparaissent progressivement et non plus dans les petits commerces. Et du coup, tout ça génère un mode de vie qui s'éloigne du mode de vie traditionnelle. Une transformation sociale. Oui. Et puis, les Français qui peuvent habiter ailleurs très vite voient l'inconvénient de ces grands ensembles et essayent d'habiter ailleurs. Beaucoup y parviennent, surtout jusqu'aux années 75, quand l'emploi est encore assez présent en France et que finalement les gens peuvent gagner leur vie et faire des choix réels, des choix réels de trajectoire résidentielle. Et en fait, après, évidemment, ça devient une sorte de lieu de relégation de logements sociaux où les gens qui ont, notamment les immigrés, qui ont peu de moyens se retrouvent parce qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé mieux. Et du coup, il y a une sorte de phénomène de ghetto incontestable. C'est ça. Et on a des périphéries, sur le modèle américain d'ailleurs, de banlieues résidentielles blanche, plus loin, alors voilà, à beaucoup, plus longue beaucoup distance plus loin, du centre-ville. Puisqu'on se retrouve avec la stratégie des grands ensembles, il faut bien le dire, qu'elle a été faite par Paul Louvrier, ministre du Général de Gaulle. Les années 60. Si vous voulez, il survolait la région parisienne en hélicoptère, et quand il voyait des terrains agricoles dont l'expropriation ne coûterait évidemment pas cher, loin de tout, mais accessible en voiture, à l'époque on ne pensait pas tellement au coût du pétrole, eh bien il disait, voilà, là c'est formidable, on va pouvoir construire 3500 logements, etc. – Métropole d'équilibre, Cergy-Pontoise, absolument. Marne-la-Vallée, etc. Et, – sauf que, évidemment, les gens se sont retrouvés là, au bout du monde, avec un emploi qui s'est raréfié, des couples qui ont divorcé, des gens qui se sont trouvés loin de tout, loin de leurs amis, loin du reste de leur famille, la qualité des écoles qui s'est dégradée, suite notamment à l'immigration, suite aussi à d'autres phénomènes qu'on connaît, hein, de perte du sens de la transmission, auxquels ont contribué ces grands ensembles anonymes. Hein. Bien sûr. Et si on veut un raccourci un petit peu de cela, on pense à Jacques Tati, mon oncle, et la maison Bartel ultra-moderne, mais sans charme, et le lieu de socialité du vieux quartier populaire dans lequel Jacques Tati. Eh bien, merci beaucoup Pierre Le Vigan pour ces éclairages extrêmement intéressants sur l'évolution de la ville. Je rappelle les coordonnées de votre ouvrage, donc Métamorphose de la ville, de Romulus à Le Corbusier, publié par les éditions de la Barque d'Or. Merci. Merci Philippe Conrad.